Hello world, c'est Golden et bienvenue pour ce deuxième épisode de Pokémon Diamant Chroma. Donc du coup la dernière fois on avait commencé l'aventure, on avait obtenu le petit Tipouf Shiny. Là on va continuer l'aventure, on va commencer à aller jusqu'à Félicité pour obtenir la Pokémon. Donc là on est tombé Shiny. Donc pour ceux qui se disent pourquoi il y a un Shiny et tout, je vous invite à aller voir l'épisode 1 de Pokémon Diamant Chroma hein, pour suivre un peu le début de l'aventure et pour comprendre un peu le principe. Donc en fait c'est tout simplement de refaire Pokémon Diamant mais uniquement avec des Pokémon Shiny, c'est à dire qu'en fait tous les Pokémon qu'on va rencontrer seront tous Shiny. Hop, donc là je vais me débarrasser du Etourmi qui m'embête. Tac, plus qu'une attaque, un petit coup de rugissement mais c'est pas bien grave. Hop. Alors on m'a demandé aussi pourquoi je voulais faire sur Pokémon Diamant. Bah tout simplement parce que c'est la première version que j'ai obtenue, la première version auquel j'ai joué à Pokémon. Et donc forcément ma version préférée, hein, parce que pratiquement la totalité même des gens qui aiment Pokémon, c'est via la version avec laquelle ils ont commencé. Donc bon, ça paraît logique. Je vais soigner mon Etourmi. Hop. Mon Etourmi, mon petit pouf. Mon Etourmi, non, mon Etourmi est KO, donc je sais pas d'aller le soigner. Hop. Pokémon se transforme maintenant, blablabla, la prochaine fois peut-être. Ok. Hop, on va continuer par là. Du coup, je peux aller faire des courses, mais je pense pas que je puisse acheter de Pokéball encore. De toute façon, ils vont nous en donner sur la route juste après. Hop, acheter Pokéball, Antidote, Antipara. Parasite, Pokémon empoisonné. Je vais prendre 2-3 potions. Hein, hop, comme ça. Tac. Et puis Pokéball, de toute façon, on va m'en donner. Hop, donc je vais pas ressortir. Allez, direction maintenant Félicité. Hop, on va croiser normalement. Je sais plus comment il s'appelle, Yann. Ah non, Luca. On va croiser Luca, ça. Golden, tu sais comment attraper un Pokémon? Je vais te montrer comment on fait. Alors regarde bien, ok? Forcément, le petit tutoriel, on ne fera que notre torche shiny. Avec un Wistikram aussi shiny, du coup. Voilà, donc bon, c'est le tutoriel, je peux pas trop avancer, hein, donc je vais laisser le faire. Allez, un peu plus vite, s'il vous plaît, c'est long. Ok, ses PV ont baissé, il est prêt pour une Pokéball. Comme si personne ne savait comment utiliser une Pokéball. Hein. Allez, voilà. Hop, oh, excusez-moi. Il fait froid. Allez, s'il vous plaît, plus vite. Que Notor est attrapé. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. En fait, j'aurais dû faire baisser les PV de la cible un peu plus. Ouais, mais il est très important de bien baisser les PV du Pokémon. Alors tu vois, un Pokémon à bonne santé n'est pas facile à attraper. Oh ouais, j'ai oublié. Un Pokémon est plus facile à attraper s'il est endormi par exemple. Tiens Golden, je te donne 5 Pokéball pour débuter. Obtenu Pokéball, cool. Golden, mets Pokéball dans la poche. Ball. Si tu voyages avec plein de Pokémon, tu pourrais visiter des endroits éloignés. Comme ça, tu aurais plus de chances de rencontrer encore plus de Pokémon. A plus tard. Ok. Donc, on va peut-être rencontrer un des Pokémon qui va venir dans mon équipe. Et effectivement, il y a un Pokémon qui va venir dans mon équipe. C'est un Lixie Shiny et c'est une femelle. Donc, c'est justement ce que je voulais. Hop. Alors, en fait, je sais pas si je préfère un Lixie mâle ou un Lixie femelle. Alors la seule différence c'est juste que le Lixie mâle a des chaussettes et que le Lixie femelle n'en a pas. Donc on va utiliser Écrase-Face sur le Lixie. Voilà, qui d'ailleurs lui fait pas du tout beaucoup de dégâts. Bon, ça va, c'est proc. Hop, on va encore faire Écrase-Face. C'est un combat qui va durer un peu dans le temps. Alors, je préviens. Ça va être assez long de pouvoir capturer ce Lixie. On m'a demandé aussi pourquoi je ne renommais pas mes Pokémon. Alors tout simplement, je ne renomme jamais un Pokémon, à part si c'est un Shiny et que je vais m'en servir souvent. Comme par exemple sur Pokémon X, j'ai
les Pokémon que j'attrape qui sont shiny et que je veux utiliser dans une équipe pour combat ou pour quoi que ce soit, je les renomme tout simplement parce que c'est pour moi des Pokémon un peu plus intéressants que les autres. Et sinon, je ne renomme pas mes Pokémon normalement. Enfin, comme Tipouf, Lixi, je ne vais pas les renommer parce que c'est juste des Pokémon normaux. Quoi. Hop, donc on va utiliser une Pokéball sur le Lixi. Hop, et il est attrapé. Les ennemis Lixi sont ajoutés au Pokédex. Sa fourrure étincelle en cas de danger. Il profite du fait que l'ennemi est aveuglé pour s'enfuir. Le nom de Pokémon Lixi capturé, donc non. Hop, et donc le Lixi rejoint mon équipe. Et il y a encore un Pokémon sauvage qui va m'attaquer. Et c'est un Nitourmi cette fois-ci. Nitourmi mâle. Donc, Nitourmi c'est aussi un Pokémon que je veux dans mon équipe. Donc je vais le capturer de ce pas. Donc ce sera les deux premiers Pokémon de mon équipe. Les prochains vont être beaucoup plus loin. Donc pour l'instant, c'est avec ces trois Pokémon là que je vais faire pratiquement la moitié de mon let's play. Enfin pas la moitié, mais au moins une bonne partie du let's play. Hop, je vais encore lui faire un peu de dégâts. Donc dans le pire des cas, au pire je le tue, mais c'est pas grave. Ça me fait de l'expérience. Non, c'est pas sur lui. Sac ball Pokéball utilisé. Un, deux, trois, capturé. Et hop, et Tourmi est attrapé. Il vole en nombre. Bien que minuscule, il bat des ailes avec une vigueur impressionnante. Donner à son nom au Pokémon Tourmi est capturé. Non. Hop, donc je vais aller soigner le Pokémon parce que bon, là, je vais pas aller bien loin. Bon, forcément, faut que je me fasse attaquer. Attaqué par un Quenoteur. Tiplouf, à l'attaque. Je vais essayer de le battre, au pire peut-être qu'un des autres Pokémon derrière vont se faire le tuer. Que ce soit Tourmi ou Lixi. Ouais, coup de Et Tiplouf n'est pas KO. Bon, je vais prendre la fuite. Ah, c'est pas ça que je vais faire, la fuite. Hop, vous prenez la fuite. Hop, et on va aller soigner ça au centre Pokémon de Littorella. Faire un petit demi-tour. Donc c'est normal qu'au début du jeu, on va très souvent faire des allers-retours du centre Pokémon au dresseur, du dresseur aux herbes, des herbes au centre Pokémon. C'est tout à fait normal. Hop, donc c'est parti, on va continuer. Il y a un Pokémon sauvage après. Et c'est encore un Nitourmi. Mâle, je crois, il me semble. Ah non, c'est femelle. Je vois pas la différence entre mâle et femelle surtout. Ah si, c'est le front qui change. Hop, donc petit pouf, mais bon, là, ça n'a rien d'intéressant. Hein, niveau 2, je vais plus perdre des PV qu'autre chose, donc c'est pas forcément intéressant. Et donc, on va aller contre le premier dresseur. Hop, un combat est lancé par Gamin Rachid. Tourmi est envoyé par Gamin Rachid. Ok. Donc Pokémon Shiny, hein, encore. Donc on envoie Tiplouf. Le bon vieux Tiplouf qui va utiliser Écrase-Face. Attaque de Tiplouf baisse. Tiplouf utilise Écrase-Face. Bon, encore utiliser Écrase-Face. Hop. Utilise Rugissement encore, donc ça va encore me baisser mon attaque. L'attaque ou la défense? Oui, l'attaque. Hop, encore Écrase-Face. Bon, je vais encore utiliser Rugissement, si bien qu'après mon petit pouf va complètement, littéralement arrêter d'attaquer, tellement que ça va pas tellement faire peu de dégâts. Hop, c'est pas grave, je vais continuer quand même. Bon, le random là, le random du désespoir. Hop, on va être encore un écrase-face.
Bon bah on continue, hein. De toute façon on n'a pas trop le choix. T'as vu, il utilise charge, hein, enfin une attaque. Hop, on utilise écrase passe encore. Bon, il utilise vive attaque, il fait du coup attaquer en avance sur moi, mais c'est pas bien grave. J'ai pas vu s'il avait d'autres Pokémon. Non, il en a qu'un, ok. Hop, on fait encore des écrase face. Et on va pouvoir en faire un dernier pour la route, après le rugissement du Itomi. De Rachid. Hop, allez, écrase face. Hop, voilà. Itomi et KO. Diplo fait gagner 60 points d'expérience. Ce qui me monte au niveau 7. Est-ce que je vais peut-être pouvoir apprendre une attaque haut du coup? Ou pas? Non, pas du tout. Pas encore. Je ne fais pas le poids, je ne fais pas le poids. Gold remporte 80 Pokédollars. Hop, donc on va continuer sur la route. Je vais mettre en avant un... C'est pas le sac que je voulais, c'est donc Pokémon. Je vais mettre Lixie en premier, histoire de le pex un peu, même s'il risque de mourir, c'est pas trop grave. Hop. Contre cette jeune dresseuse. Hop, deuxième combat. Il s'agit de la fillette Yolène. Je me demande comment ils choisissent les prénoms quand même. Les mecs qui développent le jeu, je me demande comment ils choisissent le prénom. Enfin, bref. On envoie Lixie à l'attaque. Le magnifique Lixie qui est jaune. Lixie, c'est quand même un des Pokémon les plus beaux en chenille, hein. Faut quand même pas déconner. Il est juste magnifique. Donc on va utiliser charge sur le Conodor, ce qui lui fait un peu de dégâts. Il me fait de même à moi. Mais ça va, je tiens parfaitement le coup, je perds qu'un seul point de PV. Hop, donc tranquillement, on va le tuer. Hein. Hop, encore un charge. Conodor ennemi utilise charge. Hop, encore un charge. Bon, le début du jeu va être assez loin, mais je pense que après, à partir de Félicité, on va pas trop. Ça va pas trop être galère, donc ça va être. Le Conodor va être envoyé par fille Yolène. Voulez-vous changer de Pokémon? Absolument pas. Donc encore un Conodor envoyé par fillette Yolène. Hop, donc on va utiliser charge. Ah, donc ça va être reparti pour un tour, on va devoir attendre. Ah, les musiques de ce jeu sont tellement nostalgiques. Ah là là. Encore un charge. Hop, allez, on y croit. Encore charge. Encore deux fois normalement, ça devrait le faire. Encore une fois. Charge. Voilà. Et le dernier coup de grâce. Hop. Et que le Conodor est KO, enfin. Et Lixie monte au niveau 5, ça c'est cool. Et Lixie apprend gros yeux, ça c'est moins cool. Bon, c'est pas grave. Vous avez battu fillette Yolène. Hop, nickel. Ensuite, je vais changer de Pokémon. Je vais mettre Itomi à la place de Lixie parce que Lixie a pris pas mal de dommages et puis il a monté d'un niveau, donc c'est pas trop mal. Forcément, il faut que je me fasse attaquer par un Pokémon. Par un Lixie d'ailleurs. Lixie femelle, qui a là les chaussettes. Non, mâle. Je vais m'y arriver avec Lixie. Hop, un Itomi. Longtemps que j'ai pas combattu avec un Itomi, donc. Hein. Je vais pas l'attaquer, je vais attendre plutôt le dresseur qui est au bout du chemin. Hop, le dernier dresseur normalement avant Félicité. Hop. Et ça va enfin pouvoir rejoindre Félicité. Ouais. Un combat est lancé par Gamin Chuck. Lixie est envoyé par Gamin Chuck. Charge. La Lixie qui est un petit peu plus haut level que moi de 1 point. Ah oui, coup critique. Mais dis donc, le tourmi est super fort. Non, c'est juste un coup critique. Hop, donc on va encore utiliser un coup de charge. Lixie, limite, gros yeux.
défense et ton MIPES. Hop, on va encore utiliser un coup de charge. Et après, il y aura le dernier. Bon, je suis désolé, hein, c'est vraiment pas très passionnant là, au début, mais... dès qu'on aura parti, à partir de Félicité, je pense que déjà on sera déjà plus costaud et donc du coup bien plus à l'aise. Xin mis KO, Tommy a gagné soigné, point XP. Hop, assez pour monter au niveau 5 aussi. Hop, nickel. Et Tommy apprend vive attaque, ça c'est plus pratique. Hop. Et on a battu Gamma Check. Hop, donc du coup on remporte encore un peu d'argent. Hop, on continue là. Ici il y a une potion. Je me rappelle quand même bien du jeu. Hop, je mets dans la poche objet. Et là, on va aller en haut et on va croiser Luca. Hey Gold, combien de Pokémon as-tu attrapé? Hein, tu devrais encore en attraper. C'est difficile d'élever plein de Pokémon, mais ça vaut le coup. Plus tu en auras de Pokémon, plus tu sentiras bien. À Félicité, on trouve l'école de dresseur. Vas-y Gold. Oh ouais, Yann a visité l'école un peu plus tôt. Ok, à plus tard, travaille dur sur ton Pokédex. Hop, ok, donc nous voilà à Félicité. Je vais aller au centre Pokémon. Pour aller directement soigner mes Pokémon. Hop. Bonjour, bienvenue sur Pokémon, vous voulez soigner, je vais le soigner. Hop. Ok, je vais prendre un instant. Hop, merci d'avoir attendu, le Pokémon sont super fort maintenant, blabla. Et une prochaine fois peut-être, ok. Maintenant on va aller à l'école des dresseurs. On va parler à Yann, c'est bien ça Yann. Salut Gold, tu viens pour étudier toi aussi? J'ai pris de l'avance et mémorisé tout ce qu'il y a d'écrit au tableau. Après tout, c'est le travail d'un dresseur d'éviter que ses précieux Pokémon ne soient blessés au combat. Alors Gold, qu'est-ce qui t'amène, hein? Tu as quelque chose pour moi? Gold donne le colis. Alors c'est quoi ce jackpot? C'est une carte, hein? Mais pourquoi il y en a deux? Une me suffit amplement. Tiens Gold, prends-en une. Du coup, on reçoit la carte. Gold met les cartes dans la poche objet rare. Eh bien, d'après la carte, je pense que Cherbourg est la prochaine ville où je dois me rendre. Il y a une arène, alors ce sera parfait pour endurcir les Pokémon que je viens d'attraper. Je suis en passe pour devenir le plus grand dresseur de tous les temps. Salut. Ok. Donc on va aller là, bon le tableau il dit rien d'intéressant. Et donc on va aller voir ce petit monsieur là qui va nous proposer d'aller avoir la Pokémontre. Tu dis que tu es un dresseur de Pokémon et tu n'as pas de Pokémontre. Pokémontre montre Pokémon. Oh, et ben, tu es vraiment un drôle d'oiseau. Tu vois, j'ai inventé et je fabrique des Pokémontres. En plus de cela, je conduis désormais la campagne de pub de la Pokémontre. Tout ce que tu as à faire, c'est trouver 3 bouffons dans Félicité. Si tu arrives, je t'offrirai une Pokémontre. Hop, donc du coup, on doit aller chercher les bouffons. Là, je suis un bouffon de la campagne Pokémontre. En avant pour la question. Un Pokémon lui a-t-il plus fort, gagnant des combats et des points d'expérience? Oui. Ding ding. C'est absolument correct. Les Pokémon deviennent plus forts. Là, bon, ça en soleil, hein. Voilà, donc du coup, je reçois le bon numéro 1. Il me faut encore 2 autres bons. Il y en a un qui se trouve devant la loterie Pokémon. Et l'autre devant, forcément, la campagne pour apprendre la Pokémontre. Hop, donc voilà, et donc là la question c'était est-ce que les Pokémon peuvent porter des objets durant le combat? Oui, par exemple il y a les baies, etc. Et donc le dernier qui se trouve ici. Salut, c'est un bouffon de la campagne Pokémon, en tout cas la question. Les capacités ont-elles des types comme les Pokémon? Oui, et donc c'est absolument pareil. Bon, ça c'est vraiment pour les débutants. Hein. Hop, reçoit bon numéro 2. Golden a mis l'objet bon numéro 2 dans la poche. Objet rare, salut. Et donc on va aller voir le petit monsieur qui va donner la montre le Pokémon. Hop, yo. Laisse-moi compter tes bons, je vais utiliser la Pokémontre pour ça. 1, 2 et 3. Bravo, on dirait même mieux. Bravo. En échange de ces bons, je t'offre cette montre Pokémon. Autrement dit, Pokémontre. Gold bien la Pokémontre. Des logiciels peuvent être ajoutés à la Pokémontre pour la rendre encore plus polyvalente. Touche l'écran de la Pokémontre pour l'essayer. Et bien c'est sur cette obtention de la Pokémontre qu'on va se laisser. Et on se dit à la prochaine dans le prochain épisode, qui sera du coup l'épisode 3, où il y aura plus de combats et on rencontrera la Team Galaxy. Allez, tchuss.